Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius. Loft Music spécial concert hommage à Georges Moustaki à l'occasion des 10 ans de sa disparition. C'était hier soir à l'Olympia et vous découvrirez dans un instant les performances de quelques invités, notamment Kali, Élodie Frégé, Charlie Couture, Enzo ou encore Gauvin Cers. On arrive juste après ça. Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h. Yvan Cugius. Merci d'être avec nous ce jeudi soir 4 mai pour vous offrir ce soir quelques extraits du joli concert que nous avons vécu hier sur la scène de l'Olympia à l'occasion des 10 ans de la disparition de Georges Moustaki. À l'initiative de sa fille Pia Moustaki, bien plus d'une vingtaine d'artistes étaient sur le plateau hier, accompagnés par les musiciens de Georges Moustaki, tous de blanc vêtus. Et j'ai eu plaisir à présenter cette soirée avec Pia. Nous en entendrons ce soir quelques extraits. Pia Moustaki, Élodie Frégé, Kali, Célia Reggiani, Enzo, Yvan Cugius, Gauvin Cers, Charlie Couture, Yves Jamais. Et évidemment, impossible de diffuser le concert en entier, qui a été un très joli moment. Un moment d'émotion, de partage, de poésie, d'élégance et de fraternité, tout à l'image de Moustaki. Mais il a fallu faire quelques choix, jamais pour des raisons artistiques, hein, juste pour des raisons radiophoniques. On commence avec Pia Moustaki, qui nous offrait hier Milord, ce standard écrit par Georges pour Édith Piaf. C'était à l'Olympia hier soir. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur, au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez. L'ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance. Je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça, je l'aurais jamais cru. Allez, voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Mais oui,
Nothing Love. La, la, la. Moustaki à l'instant dans Milord, un extrait du concert hommage à Georges Moustaki hier à l'Olympia, un concert qui accueillait plus d'une vingtaine d'artistes, parmi lesquels également Élodie Frégé, pour une version très glamour de Sans la nommer, Élodie qui nous a dit ce que représentait Georges Moustaki pour elle. Quand j'étais petite, mes parents écoutaient énormément les chanteurs de cette génération. Ils sont nés en 48 et ils étaient fans de Brassens, Brel, Barbara, etc., Jean Ferrat, tout ça, et Georges Moustaki. Et petite, on avait des disques de Moustaki avec une barbe, les cheveux longs, et mon père avait une barbe et les cheveux longs, et j'étais persuadée pendant des années que c'était mon père qui chantait sur les vinyles qu'il y avait dans la discothèque. Donc bon, après il chantait pas si mal que ça mon père, mais à un moment je me suis rendu compte que c'était un autre monsieur qui chantait ces très jolies chansons. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui trame en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle qu'on le matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qui trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Élodie Frégé, à l'instant, elle était sur la scène de l'Olympia hier pour cette version de Sans la nommer. C'était un joli plateau d'artistes, enfin une famille Moustaki, dont l'un des membres fidèles s'appelle Kali. Il a chanté hier Nous voulions et nous a indiqué également ce que représentait Georges Moustaki pour lui. Georges Moustaki, pour moi, c'est la source, c'est quelque chose d'important parce que j'ai eu la chance de croiser cet homme magnifique, merveilleux, sur ces dernières années. Nous avons partagé pas mal de choses. Je recevais beaucoup de messages de sa part juste pour me dire « Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que ça va ?» Nous avons fait un duo ensemble et j'ai eu la chance de chanter ici à l'Olympia avec lui. Et j'ai vu ce grand oiseau blanc ouvrir ses ailes et le public reprendre toutes ses chansons. Et moi, j'étais sur bord de scène jusqu'à l'accompagner au rappel. Pour moi, Georges Moustaki, c'est la liberté, c'est la définition de la vie. La vie est absurde, on vit, on meurt. Mais au milieu, il faut qu'il y ait de l'émerveillement, il faut qu'il y ait de la folie, il faut qu'il y ait des choses qui se passent extraordinaires. C'est Georges Moustaki. Nous voulions changer le cours de l'histoire. Nous voulions toute la mer à boire. Nous voulions des châteaux en Espagne. Nous voulions rapprocher les montagnes. Nous voulions que nos femmes enfantent une humanité différente. Nous voulions des aurores nouvelles. Nous voulions renaître avec elles. L'imagination était au pouvoir. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Nous voulions tout et tout de suite. Nous voulions vivre sans limite et nous promener sur la terre sans nous cogner à des frontières. Nous voulions demander l'impossible. Nous voulions des orages paisibles. Nous voulions de l'amour avant toutes choses et du bonheur à l'overdose. L'imagination était au pouvoir. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Sans regret et sans mélancolie, je te chante la chanson que voici. Elle était rangée au fond de ma guitare. Elle m'est revenue en mémoire. Et je châteaux en Espagne. Nous voulions rapprocher les montagnes. L'imagination était au pouvoir. Circuler, il n'y a plus rien à voir. L'imagination était au pouvoir. Circuler, plus rien à voir. Nous voulions. Kali, qui était hier sur le plateau de l'Olympia pour les 10 ans de la disparition de Georges Moustaki. Nous vous proposons en exclusivité de revivre quelques moments de ce concert hommage. Le Loft Music était là hier avec Enzo Ramos et Nicolas Judet pour recueillir les témoignages de quelques artistes et notamment celui de Celia Reggiani, la fille du grand Serge, qui a interprété Fleur de Méninges et nous a expliqué ce que représentait Georges Moustaki pour elle. C'est une tribu, Jo, pour moi. Mon père l'aimait beaucoup, ils étaient assez proches en fait, et c'est quelqu'un qui est resté
dans mon cœur, au niveau de la proximité, qui m'a fait découvrir la musique brésilienne, qui est quand même ultra important, et qui m'a impressionné beaucoup. Je trouvais qu'il avait une élégance, voilà. C'est ma famille, en fait, quelque part. J'ai la méninge qui fleurit, la nature m'a tout appris. Je suis poète. Ma fortune est bien entendue, comme un barbe au jardin suspendu dans ma tête. Pas de mémoire des myosotis, souvent mon araignée en tissant sa toile. Fait un hamac pour ma pensée qui de là rêvant d'Odyssée met la voile. Quand je m'embarque au grand bonheur, je peux tout prendre avec des fleurs de ménage. Quand je m'en vais compter fleurettes, pas besoin de roses ni de pâquerettes. Au smokinge, suffit pour être en sorceleur de savoir faire pousser les fleurs de ménage, de ménage. Je ne cultive pas le souci, mais je me rends vite à merci quand on cueille les plus douces pensées d'amour et la marguerite alentour que j'effeuille. Des fleurs poussées par ma passion, j'en fais éclore sans aversion sur le bitume. Tout un parterre en juponnet, de belles de nuit, dès que le néon s'allume. Quand je joue au bel oiseleur, je peux tout prendre avec des fleurs de ménage. Quand je m'en vais compter fleurettes, pas besoin de roses ni de pâquerettes au smokinge. Je pense trop et je suis trop beau pour faire de vieux os de barbeau, je m'en flatte. Tranquille, j'attends qu'un voyou, comme pour me guérir du mildiou, me sulfate. Ou bien qu'on me plante au surin, sur le ventre, un joli jardin, qu'on me vaccine. Qu'on m'envoie sans m'en faire pas, grignette l'épicent, lit par la racine. Quand je m'embarquerai pour ailleurs, tout sera dit en quelques fleurs de ménage. Pour m'en aller aux oubliettes, pas besoin de roses ni de pâquerettes au smokinge. Pas besoin non plus d'orchidées, mais d'un plein simple bouquet d'idées. Suffira de verser quelques pleurs pour arroser vos propres fleurs de ménage. Célia Reggiani à l'instant, Fleur de Méninge dans le loft ce soir. Et on continue cette soirée hommage à Georges Moustaki. Nous étions à l'Olympia hier soir avec, par exemple, Enzo. Souvenez-vous de Juste quelqu'un de bien. Elle était là également sur le plateau hier pour nous chanter J'improvise et nous parler de Georges Moustaki. Il fait partie de ma jeunesse. Et puis après, ça a été un duo que j'ai fait avec lui pour une émission de télé qui s'appelait Taratata, qui s'appelle toujours Taratata. Et on a une petite histoire qui était trop mignonne, c'est que on devait chanter un duo tous les deux. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter? Qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter? Et j'ai demandé si on était obligé que ce soit une chanson de Georges ou une chanson de mon répertoire. Et on m'a dit non, c'est pas la peine. Donc je me suis dit, oh là là, entre ma douceur et puis lui, sa douceur aussi à lui, son calme, ça serait sympa qu'on surprenne en faisant une chanson joyeuse. Et donc je trouve une chanson, je l'appelle Georges, je lui dis, écoute,
J'espère que ça va pas te choquer, mais j'ai choisi une petite chanson que j'aurais proposé, mais je te préviens, tu vas peut-être être déçu, mais parce qu'elle est vraiment bébête, cette chanson, quoi. Elle est concon, mais moi je l'adore. Et il me dit, écoute, dis toujours. Et je lui dis, ça s'appelle Donne du rhum à ton homme. Et là, il a tellement ri, parce qu'il m'a dit, mais tu sais, c'est moi qui l'ai écrite. Et Piaf l'adorait, et il me demandait toujours de la chanter. Voilà. Donc, avec cette petite histoire, on est devenus très bons camarades. Et effectivement, c'était un très bon moment partagé. Après, plus tard dans la vie, il m'a proposé de faire un duo sur un de ses albums qui s'appelait Démo. Enfin, la chanson s'appelait Démo. Démo, je crois. Le titre entier. Et donc, on s'était revus. Et puis, de temps en temps, je suis allée le voir dans son appartement qui était dans l'île Saint-Louis. On m'a proposé de participer à cette soirée hommage. Et je le connaissais et je l'ai bien aimé. Et ce que j'aimais surtout, c'est qu'il avait il était authentiquement paresseux dans le sens de jouisseur, goûteur de la vie. Et en ça, il m'était très sympathique. On dit que j'ai ça dans le sang, et depuis ma première dent, je suis rétif à toute emprise. Chaque matin c'est l'inconnu, tout est nouveau, rien n'est prévu, et je rejoue toute la mise, j'improvise. Quand j'aime d'amour, je me tais. Je ne promets rien, je le fais. Le cœur battant sous la chemise. Et au lieu de risquer demain de me retrouver dans un bain de ces cotines où l'on s'enlise, j'improvise. Même quand j'écris des chansons, c'est la main qui suit le crayon. J'en connais que ça scandalise, mais je ne fais pas de projet, c'est un luxe que je me paie, comme on s'offre une gourmandise, j'improvise. Je continue de chanter pour ceux qui veulent partager le pain et le temps des cerises. Si j'ai l'air de prendre parti pour le prophète ou le messie, je suis revenue des églises, j'improvise. C'est vrai que j'habite Paris, quelque part dans l'île Saint-Louis, où plus rien ne me dépayse. Bien sûr qu'il y a des années que je n'ai plus déménagé, mais j'ai toujours une valise, j'improvise. Enzo à l'instant dans J'improvise. Enzo qui était sur la scène de l'Olympia hier, où nous étions également avec le Loft Music. C'était à l'occasion de ce concert hommage pour les 10 ans de la disparition de Georges Moustaki. Merci à toutes les équipes qui nous ont permis de vous proposer ce soir ces extraits du concert en exclusivité. Enzo Ramos, Nicolas Judet étaient sur place. On a encore de jolies surprises à venir. Votre serviteur en live, également Gauvin Serres, également Pauline Croze, Yves Jamais ou Charles-Élie Couture. C'est dans cette soirée spéciale Moustaki Olympia hier soir. On revient juste après ça. Ne bougez pas. Le Loft Music Sud Radio 20h-21h.
Yvan Cugius. Merci d'être avec nous ce soir. Deuxième partie de ce Loft Music et ses extraits du concert Moustaki hier à l'Olympia que nous avons vécu pour vous à l'occasion des 10 ans de sa disparition. On y était avec le Loft. Enzo Ramos, Nicolas Judé étaient là et j'ai eu le plaisir de mon côté de co-présenter cette soirée avec Pia Moustaki, mais j'ai aussi donné de la voix. Comme Pia l'a faite sur Milord, eh bien moi ça a été sur la philosophie. Vous savez, vous vous souvenez, nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. C'était hier, sur la scène de l'Olympia, un magnifique souvenir. La philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couchent à l'aurore et se lèvent très tard, ne pensant qu'à aimer jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre. Et comme soyez fous et comme soyez ivres. Car la seule folie, c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Vieilliront aussi qu'ils restent ce qu'ils sont, des viveurs de toupies aux étranges façons, des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. C'était hier sur la scène de l'Olympia où j'ai eu le plaisir de chanter et de jouer ce titre, la philosophie de Georges Moustaki. Ne faire rien de plus que saluer chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. À l'Olympia, nous étions un joli plateau d'artistes. Et ce soir sur Sud Radio, cette soirée spéciale Georges Moustaki, eh bien nous vous la proposons en exclusivité avec également, par exemple, le petit dernier de la famille qui était là avec nous, Gauvin Cerz, pour Chanson Cri, tout de suite. Je veux que ma chanson soit comme un cri d'alarme entre un air à la mode et un chanteur de charme. Et même si je ne chante pas assez fort, qu'on veuille m'écouter 3 minutes encore. Quand on entend parler des femmes que l'on viole,
Pour beaucoup d'entre nous, ça reste des paroles. On discute, on s'indigne, on ferme le journal. Puis on finit par trouver ça presque normal. Hier j'ai rencontré l'une de ses victimes. Pour la police c'est affaire de routine. Et pour les autres ce n'est guère qu'une histoire. Moi j'ai vu la détresse au fond de son regard. J'ai lavé son corps couvert de sperme et de sang. L'individu était presque un adolescent. Très vite il a fait ça sans amour ni plaisir. Il paraît qu'il a pleuré avant de s'enfuir. Mon Dieu, qu'avons-nous fait pour en arriver là? Que faut-il faire pour arrêter tout cela? Ma tête se révolte et mon cœur est meurtri. Et j'ai eu mal pour elle et j'ai honte pour lui. Mais qui d'entre nous n'a jamais violé quelqu'un? Pour ne parler que de ces petits viols mesquins qui font partie de notre vie de tous les jours et abreuvent de larmes notre soif d'amour. La puissance, l'argent, la force et le mépris. L'autorité du père et celle du mari. La rigueur imbécile des fauteurs de l'ordre qui crée les enragés, qui l'empêchent de mordre. Car ce sont nos enfants que l'on appelle à la paix. Gauchistes, blousons noirs, drogués et autres nègres. Tous ceux qui pour survivre cherchent à rêver. Tous ceux qui cherchent la plage au-dessous des pavés. Et si je viens chanter à la télévision dans le cadre établi de la consommation, avec l'approbation du prince et de la cour, ne va pas croire que c'est pour faire un discours. Je vais pas non plus pour te convaincre ou te plaire, ou chanter des idées qui sont déjà dans l'air. Mais c'est pour demander un aujourd'hui meilleur, en faisant simplement mon métier de chanteur. Je dis que le bateau prend l'eau de tous côtés. Il est temps qu'on essaye de le colmater. Victime ou criminel, les deux sont concernés. Et s'il y a un coupable, on est tous condamnés. Gauvin Serse, à l'instant, chanson cri dans le loft, ce soir et hier à l'Olympia. À l'occasion des 10 ans de la disparition de Georges Moustaki, c'est sur Sud Radio, avec Pauline Croze qui arrive tout de suite dans Les Eaux de Mars, cette adaptation du standard de Carlos Jobim. Pauline Croze. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est une vieille ruine, le vide, le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un rêve.
reste de racine. C'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est ta fièvre qui compte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson à un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois. C'est un jour le bout du quai, un alcool trafiqué. Le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou. Un corps ensommeillé, la voiture rouillée. C'est la boue, un pas, un pont. Un crapaud qui coasse, c'est un chaland qui passe. C'est la fonte des glaces, c'est la saison des pluies. C'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars. La promesse de vie. C'est Joseph et c'est Jacques. Un serpent qui attaque, une entaille au talon. Un pas et une pierre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. La promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. C'était hier soir l'Olympia, à l'occasion des 10 ans de la disparition de Georges Moustaki, à l'instant Pauline Croz. Un concert événement, nous y étions et nous vous offrons quelques extraits ce soir avec... Maintenant, tout de suite, le live d'Yves Jamet, un passionné de chansons talentueux, qui connaît Georges Moustaki sur le bout de ses doigts ou de ses cordes vocales. Hier, il nous a offert un émouvant grand-père et nous a parlé évidemment de Georges Moustaki. Georges Moustaki, moi, c'est 10 ans de ma vie à raison d'une écoute minimum par jour. Voilà, donc c'est un chanteur qui a été pour moi incontournable. J'ai écouté toutes les chansons qu'il y a ce soir. Il y en a deux ou trois dont je ne connais pas tout à fait les textes. Le reste, j'aurais pu les reprendre sans trop prévoir à apprendre, en fait. Parce que je les ai en tête depuis longtemps, qu'elles m'habitent, et puis qu'aujourd'hui j'ai encore. Et j'envisage de faire un spectacle sur Moustaki depuis pas mal de temps. Donc ça va peut-être se concrétiser. Donc c'est plein de choses, Georges, pour moi. Georges Moustaki, ça aurait été mon adolescence, ma jeunesse. Il fait partie de la BO de cette période-là, du 15-30 ans, j'allais dire. Voilà, il fait partie de cette BO. Après, j'écoute encore, mais j'écoute plus avec la même. Comme il y a beaucoup de gens que j'ai écoutés entre temps. Mais voilà, pour moi, c'est une espèce de logique. Moustaki est dans mon panthéon, en fait. On n'entend pas la guitare portugaise, c'est pas normal. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. On est du même bois, on est du même sang. Et je porte ton nom, et tu es un peu moi. Exilé de Corfou et de Constantinople, Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas. Je suis de ton pays, mais t'es que comme toi, un enfant de l'enfant que te fit Pénélope. Tu étais déjà vieux quand je venais de naître,
arrivé juste à temps pour prendre le relais. Et je finirai bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé à l'ancêtre. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi que je glisse mes doigts le long de mes six cordes pour réveiller un air tranquille et monocorde. C'est tout ce que je sais faire de mes dix doigts. Maître en oisiveté, expert en braconnage, comme toi, j'ai vécu à l'ombre des bateaux. Et pour faire un festin, je volais les oiseaux que le vent de la mer me ramenait du large. Comme toi, j'ai couru les filles et les rêves, buvant à chaque source que je rencontrais. Et sans être jamais vraiment désaltéré, sans jamais être là de répandre ma sève. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi, pour remettre au présent tout ce qui est passé depuis que je ne parle plus que le français. Et j'écris des chansons ne comprends pas. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'entourent, mais toi tu m'attends. Même si tu es loin dans l'espace et le temps, quand il faudra mourir, on se retrouvera. Yves Jamais, à l'instant, dans Grand-père, une chanson de Georges Moustaki, évidemment, captée hier sur la scène de l'Olympia à l'occasion du concert-événement des 10 ans de la disparition de Moustaki. Et outre Joël Favreau, Maria Teresa, Gabin, lauréat du prix Moustaki, Agnès Jaoui, encore Kent, Cyril Mokayesh, Moussé Hakim, J.P. Nataf, Roman Cerda, Anne Silla, ou encore Rosemary Stanley et Sylvain Luc, il y avait Charlie Couture pour un moment piano-voix magnifique sur Sarah. Écoutez, c'est dans le loft et c'était hier soir à l'Olympia, Charlie Couture, Sarah. Georges Moustaki fait partie des disques de ma mère que j'écoutais souvent, des chansons d'adultes, mais qui tout d'un coup m'évoquaient des mondes à moi quand j'étais enfant. Le live à l'Olympia font partie des chansons qui ont donné de la noblesse à la chanson française, et c'est un grand mélodiste et un homme qui savait jouer avec les mots comme Prévert le faisait à sa manière, et qui est qui accompagnait aussi bien les feux de camp quand j'étais éclaireur que les premières vies de partage, les premiers accords de guitare et etc. C'était quelqu'un d'important. Je l'ai rencontré à quelques occasions
et on a toujours eu des échanges chaleureux. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers. Trop souvent mais trop mal donné, le teint blafard malgré le phare. Plus pâle qu'une tache de lune, la femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter les souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. Lorsque la nuit nous réunit, son corps, ses mains s'offrent au mien, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. Charlie Couture à l'instant, Sarah, c'était hier sur la scène de l'Olympia et ce soir dans le Loft Music spécial Moustaki. Moussé Hakim, les frangins de Zebda, étaient sur la scène de l'Olympia hier pour les 10 ans de la disparition de Moustaki avec cette chanson « Nous sommes deux ». Merci pour le coup de main. Merci Gomé. La mélodie c'est important, le tempo c'est important aussi. On vous attend, on vous attend. À la cordéon qui s'appelle Rodrigue, s'il vous plaît. Nous sommes deux, nous sommes deux. 8 heures vont bientôt sonner. Éteins la lampe. Le quartier frappe, ce soir ils reviendront nous voir. L'un va devant, et les autres suivent derrière. Puis le silence, et puis voici la même chanson qui revient. Il frappe deux, il frappe trois,
il frappe 1023. Tu as mal toi, et j'ai mal moi. Qui de nous deux a le plus mal? C'est l'avenir qui le dira. Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes 1023. Avec le temps, avec la pluie, avec le sang qui a séché et la douleur qui vit en nous, qui nous transperce et qui nous cloue. Hey, hey. Nous sommes trois, nous sommes 1023. Avec le temps, avec la pluie, avec le sang qui a séché et la douleur qui vit en nous, qui nous transperce et qui nous cloue. Notre douleur nous guidera. Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes 1023. C'était Moussé Hakim dans le Loft Musique ce soir et hier sur la scène de l'Olympia, les frangins de Zebda, pour ce « Nous sommes deux ». Nous vous avons proposé quelques extraits de ce concert-événement hier à l'Olympia à l'occasion des 10 ans de la disparition de Georges Moustaki. Merci aux équipes techniques de l'Olympia, merci à Paille Musique, évidemment à Pierre Moustaki, merci aussi à Santina Calderaro. Une pensée pour un autre ami de la famille Moustaki, Nilda Fernandez, disparue il y a bientôt 4 ans. Merci évidemment à tous les artistes, aux musiciens. Merci aux équipes du Loft Musique, Enzo Ramos, Nicolas Judé, et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, Jacques Pessy se reçoit, Philippe Laville. On se retrouve lundi avec Marie Naquet. Bonne soirée sur Sud Radio. S'il vous plaît. Hey, lui. Alors. Quand tu iras ma tombe,